Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Assalamu alaikum. Voilà. Le combat continue. Hadja Marino, la princesse, elle est là ce matin. Je vais pas durer. Voilà. Toujours le combat continue. Pas de recul. Partagez au maximum. Voilà. Tant que la fille du président, le professeur Alpha Condé, la princesse Condé, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatum. Voilà. Bienvenue, bonjour, bonsoir partout. Voilà. Fatim. Misa. Il va me barafolo. Wabla Fatim Baban Torofi Wafala Be. Moi je suis musulmane. Faut pas venir m'insulter ici sur ma page. Vous avez encore commencé, hein? Voilà, partagez. J'ai bien aimé le débat d'hier, le débat de notre frère ministre de la Vérité. Voilà, donc on va essayer de parler un peu du président et de d'Alain, voilà, qui fait semblant de ne pas aller à l'élection. Maman, faut dire à ta petite fille de me laisser tranquille. Partagez au maximum. Partagez. Tu vois, les moutons, ils ont commencé à venir me sauter ici. Voilà, moi je suis habillée en islam aujourd'hui, donc je ne suis pas là pour insulter. Si je m'habille comme ça, c'est en islam. Donc je ne suis pas là pour me faire insulter ni insulter quiconque. Donc arrêtez de venir me provoquer. Voilà, donc partagez. Merci Sarah, merci beaucoup Sarah, pour le cœur, merci. Voilà. Bonjour Ali Badra. Ali Badra, bonjour. Voilà. Connectez, partagez. On va parler un peu des activités. Voilà, en Guinée, comme je parlais la dernière fois au Malinké, il y a certains Malinkés que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui sont en train de critiquer mon père. Parce que eux, c'est des vendus. Voilà, c'est des vendus qui ont été payés. Voilà, il est assis là-bas en Guinée, il est en train de raconter de n'importe quoi. Voilà. Donc, ces personnes comme ça, il ne faut pas les croire. Vous les Malinkés, surtout. Je parle de vous les Malinkés. Montrez au professeur Alpha Condé, c'est votre ethnie. Voilà, c'est votre ethnie. Partagez au maximum. Si vous partagez, c'est ça qui nous aide de plus. Même s'il n'y a pas de vue, mais les partages sont très importants. Je vais très bien, mon maître Condé Ada. Je vais très bien. Et toi? Donc, si vous partagez ce message, c'est très important parce que les autres qui ne sont pas là, ils vont voir. Voilà. Donc, je vais parler aussi de certains Malinkés, les demi-moutons. Les demi-moutons, pas tous les Malinkés, mais les demi-moutons Malinkés
voilà, qui critiquent mon père parce qu'ils ont été payés. Voilà, tout le monde vit maintenant en matérialiste, quoi. Voilà, tout le monde vit maintenant en matérialiste. Donc les demi-moutons malinqués qui sont sur les réseaux sociaux, qui essaient de saboter le pouvoir de mon père parce qu'ils sont contre. Voilà. C'est ça qu'ils ont fait à Diarra. C'est ça qu'ils ont fait à Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré et à Diarra. Voilà. Parce que si leur ethnie vient au pouvoir, ils sont jaloux. Mais si leur ethnie n'est pas aussi au pouvoir, c'est au contraire, ils sont jaloux aussi. Donc, aidez mon père à réaliser ses rêves pour nous, parce que voilà, il est là pour nous aider, il est là pour nous sauver, il est là pour ne pas que les bandits, les délinquants viennent sous le pouvoir pour détruire le pays. Voilà, donc les demi-moutons malinqués, arrêtez vos conneries. Les demi-moutons malinqués, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Voilà, on ne peut plus vous supporter. Si vous n'êtes pas pour Alpha Condé, vous n'êtes pas obligé. Mais arrêtez de sortir sur les réseaux sociaux, dire que ouais, la Guinée va être comme ça, parce qu'il y a professeur Alpha Condé au pouvoir. Ça, c'est quelle haine? C'est quelle jalousie? Les demi-moutons, partagez-moi ce vidéo. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Tant que Marine Radia, qui est là devant vous aujourd'hui. Voilà, salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum. Voilà, partagez. Je vais parler à ces demi-moutons qui sont là sur les réseaux sociaux. Les demi-moutons malinqués. Certains malinqués, pas tous les malinqués. Hein. Voilà, les esclaves malinqués. Voilà, comme il y a des esclaves peuls aussi. Voilà, qui sont en train de détruire la Guinée, les esclaves rapatrides qui n'aiment pas la Guinée. Voilà, donc il faut partager ce message pour moi. Ils n'ont qu'à comprendre une chose. Nous, on a dit Alpha Condé, oui. On a dit le professeur Alpha Condé, oui. Il va être au pouvoir encore jusqu'en 2026. Donc, premier mandat de la 4e République de Guinée, on a dit Alpha Condé, oui. Donc, si les autres opposants, ils ont peur, ils vous font manipuler, ils vous mentent, comme Selunda Lessé qui l'a fait, pour vous demander s'il peut aller aux élections ou pas, ça c'est une foutaise de un. Voilà, avec tous ces morts qui ont été passés sous son nom en Guinée, il a fait sortir les enfants à la rue, et puis il a tué beaucoup des enfants, voilà, les innocents. Donc, comprenez une chose, nous, on a c'est continuation, c'est la continuité pour le professeur Alpha Condé. Celui qui veut, tu ne veux pas, professeur Alpha Condé va continuer. Mon père, il va continuer parce que c'est lui qui a la solution pour nous en Guinée. C'est lui qui a la solution pour construire la Guinée. C'est lui qui est le meilleur pour changer la Guinée. Comme il a toujours fait. Pendant ces 10 ans, il a réalisé. Celui qui dit ça, qu'il n'a pas réalisé parce que tu es jaloux de lui, parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu es raciste. Tu es raciste. Donc, sachez une chose. Le 18 octobre, on y va à l'élection. On y va, on va voter. Préparez vos cartes d'électeurs. On va voter pour le RPG. On va voter pour le professeur Alpha Condé. Parce qu'on sait bien ce qu'il est en train de faire pour nous. On ne va pas le regretter. Il est le seul capable. Il est le seul qui a la solution pour la Guinée. Et puis qu'il a montré par A plus B. La Guinée de 25 années après. Et la Guinée d'aujourd'hui, 10 années maintenant, qui a fait la Guinée aujourd'hui? Qui a changé la Guinée aujourd'hui? Si ce n'est pas mon père, qui a changé la Guinée aujourd'hui? Si ce n'est pas le professeur Alpha Condé. Donc, vive le professeur Alpha Condé, vive la paix en Guinée, vive
nos armées en Guinée, vive les combattants en Guinée. Partagez, partagez-moi ce message, s'il vous plaît. Partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez. On est là pour vous. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, on n'est rien. Donc, partagez, 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 partagez. On va montrer à ces moutons et à ces demi-moutons malinqués qui cherchent à détruire leur ethnie parce qu'ils le trouvent dans le pouvoir. Ils sont jaloux de lui parce qu'ils demandent trop. Ils croient que mon père paye pour qu'on lui applaudisse. Ils croient que mon père achète quelqu'un pour qu'on lui dise oui, c'est lui qui peut faire tout. Donc, sachez une chose, nous, le combat continue. Celui qui veut aller à l'élection, tu viens. Tu ne veux pas aller à l'élection, tu n'es pas obligé. Mais chez nous, c'est la continuité de Alpha Condé au pouvoir. C'est la continuité. Celui qui ne veut pas, c'est la continuité. Tu veux, tu ne veux pas, c'est la continuité. Donc, partagez-moi ce message. Partagez, partagez. Tant que Radia Marino Condé, qui est assise ici devant vous, faites-moi un plaisir. Partagez-moi ce vidéo, montrez que ouais, c'est nous les vrais combattants. C'est nous les vrais combattants. Voilà. Alpha Condé Marara Luna. Alpha Condé Marara Luna, qu'on a écrit en cuit. Alpha Condé ou rien en Guinée. À l'heure actuelle où nous sommes, le travail qu'il est en train de faire. Walu Arara Wali Ragnon. Walu Arara Wali Ragnon. Walu Arara Wali Ragnon. Parce que Alpha Condé a barra fo la fangira, a harangyo a fangira. Donc, a Sidi a falasa on a fait contre. A Dalen a falasa on a fait contre. A Baouri a falasa on a fait contre. A Kouyate a falasa on a fait contre. A Demim, Malenke, Mouton, et n'a fait ça on a fait contre. Ils n'ont qu'à changer leur nationalité. Ils n'ont qu'à quitter en Guinée. Ils n'ont qu'à quitter en Guinée. Ils n'ont qu'à changer leur nationalité. Parce que de un, Sidia, il est Djoula, il est de Ivoire. Senundale, il est tout clos, il est de Sénégal. Il a construit le Sénégal comme son propre pays. Il a construit le Sénégal comme son propre pays. Il a investi au Sénégal comme son propre pays. Donc c'est un tout clos. Sachez une chose, Senundale n'est pas guinéen. Senundale n'est pas guinéen. Donc nous, donnons-nous la main. Montre au professeur Alpha Condé ce qu'il a commencé comme travail. Il n'a qu'à le terminer. Il n'a qu'à, c'est pour le bien-être de la Guinée. C'est pour le bien-être de nos enfants, de nos arrière-enfants. Nous, qu'on va devenir grand-mère demain. Nos enfants, ils vont s'exciter d'aller chez nous. Ils seront fiers. Ils seront fiers de notre pays. Ils seront fiers de notre pays. Donc, nous, on s'en fout des faux blogueurs. Partagez, partagez, partagez. On s'en fout des faux blogueurs qui vomissent sur les réseaux sociaux, soi-disant, oui, Dalin, c'est comme ça. UFDG, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Comme ce que Fadiga Maboul, il a fait. Voilà, comme ce que Maboul Fadiga il a fait, voilà, il a mis UFDG à leur place. Mais tant que je regarde ces vidéos-là, je te jure, je vous le jure, ça me fait rire. Je vous le jure que ça me fait rire. Ouais, et que c'est vrai. Et que c'est vrai. Lui-même, il est dégoûté de UFDG. Il est dégoûté de UFDG. Parce qu'il sait bien. UFDG, ils sont rien. On va écouter encore une fois. Vous allez rire un peu. S'il ne sait pas faire la politique, qu'il s'arrête tout doucement. Tout doucement. Qu'il arrête de fatiguer les gens. J'ai vu un communiqué ce soir. Moi, je viens le voir, mais c'est sorti il y a longtemps. UFDG veut demander à ses partisans, à ses militants, s'il faut aller oui ou non. Oui ou non à ces élections du 18 octobre. Partagez, partagez, partagez. Entre vous et moi, là, UFDG, parce que vous avez un Aïbéki. Est-ce que ça, c'est normal? Que c'est le Dalin
demande à ces militants s'il faut aller, oui. Est-ce que c'est ça même quoi, la lettre là, communiquer là, est-ce que ça vient de l'UFDG même? Si ça vient de l'UFDG, c'est une insulte à l'encontre de tous ceux qui sont morts dans le combat de l'UFDG. C'est l'injure à l'encontre de tous ceux qui se battent contre le troisième mandat d'Alpha Condé. C'est l'injure, hein? Ce sont des injures à l'encontre de tous ceux qui s'opposent à l'Assemblée nationale de Damaroula. Ah, c'est le délai. Je savais que tu ne comprends pas bien la politique, hein, mais aujourd'hui encore, tu viens de prouver, en tout cas, si la lettre-là est authentique, si celui qui a publié la lettre-là a reçu ta bénédiction. Franchement, c'est Loudaleng, c'est ta mort que tu viens de lancer là. Ta mort politique, c'est fini. C'est fini, c'est ta mort politique. Je m'explique très rapidement. Hein. Partagez. Aux élections législatives parce qu'ils estiment que c'était illégal la demande là. Ils se battent contre l'Assemblée nationale là, ils ne reconnaissent pas l'Assemblée nationale là. Donc celui-là, si tu engages une demande envers tes militants, s'il faut accepter oui ou non d'aller aux élections, tu acceptes de facto la constitution que Alpha Condé vient de faire là. Tu acceptes l'Assemblée nationale et puis tu vas cautionner le troisième mandat d'Alpha Condé. Hein? UFDG. On me refait un an au UFDG remplacé, parce que c'est lui qui vient de signer sa mort politique. Si ce n'est pas affaire ethnique là, c'est aujourd'hui même vous devez demander le départ de Serou Dalek à la tête de l'UFDG. Mais dans tout ça là, vous allez voir des cabris quoi, qui vont venir soutenir encore cette bêtise politique. Ah ouais, les cabris même. Les cabris qui vont venir soutenir encore Dalem parce qu'il a posé la question à ses militants s'il peut aller aux élections ou pas. Donc ces cabris aussi, ils ne vont pas prendre ça au sérieux pour lui dégager. Pour lui dégager là-bas, pour lui montrer que ouais, ce qu'il fait, c'est anormal. C'est pas normal. Mais c'est des cabris même qui applaudissent aujourd'hui encore pour lui. Soi-disant, ouais, on a compris. Si vous voyez qu'il nous a demandé parce qu'il veut avoir notre avis. C'est pas ça. C'est une foutaise. Il vous a fait. Dalé n'est pas un gamin. Il n'est pas un gamin. Il peut aller aux élections sans vous demander. Parce que vous l'avez choisi comme votre leader. Il n'est pas un gamin pour vous demander s'il peut aller ou pas. Alpha n'a demandé personne. Alpha a dit juste, si on dit qu'il va aller, il a acte. Voilà. Que si tout le monde est content de lui, il a acte. Il n'a pas dit si tu veux que je me présente. Non. Alpha n'est pas comme toi, Dalen. Toi, tu ne connais pas la politique. Alpha a montré à les gens que ouais, c'est nous les vrais combattants. Et il a montré à nous que ouais, il nous doit du respect. Sinon, Alpha Condé, ce qu'il a dit, si c'est pour te comparer à lui, tu as mal fait. Toi, tu fais une lettre. Alpha Condé n'a pas fait une lettre. Alpha Condé est sorti au palais de nation, palais du peuple. Il a dit devant tout le monde dans le micro. Il n'a pas fait une lettre, il n'a pas envoyé une lettre sur les réseaux sociaux, soi-disant que est-ce que URPG, vous voulez que je m'engage? Est-ce que vous voulez que je pars à l'élection? Alpha Condé n'a pas fait ça. Donc c'est une comparaison que tu as essayé de faire. C'est pour cela que tu ne connais pas la politique, Dalen. Tu ne connais pas la politique. Alpha Condé est parti étudier cette politique. Et aujourd'hui, il nous montre par A plus B, il est vrai politicien. Il est incomparable. Alpha Condé, il est incomparable en politique. Alpha Condé, c'est un Français. Alpha Condé, il a montré que à vous les opposants guinéens qui veulent venir contre lui. Mais pourquoi tu as peur d'aller affronter Alpha Condé? Dalen, tu as peur d'aller affronter Alpha Condé? Pourquoi tu as peur d'aller lui affronter? Pourquoi tu as peur jusqu'à aller demander tes moutons s'il veut que tu pars à l'élection présidentielle? La honte totale à toi. La honte totale. La honte totale. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un qui te dépasse sous la politique.
Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. Faut pas te comparer à quelqu'un qui connaît mieux que toi la politique. Qui sait la politique, mais dans le toi, tu connais pas la politique. Tu connais rien du tout, absolument rien. C'est juste tu veux faire une comparaison. Palais du peuple, Baïdi Haribo, Kassor Fofona, Malik Sankon, comment dirais-je, Marissa, Abaka Marissa, ils ont organisé. Oui, parce qu'ils veulent que Alpha continue au pouvoir. Ils ont organisé. Tout le monde, seulement les demi-moutons malinqués, qui veulent faire leur jalousie parce que voilà, ceux qui veulent de Alpha Condé n'ont pas eu ça. Nous, on s'en fout d'eux. Les demi-malinqués moutons là, les moutons demi-malinqués là, nous, on s'en fout de vous. Alpha Condé, Adassi, Bara, Anna Mansale. Alpha Condé, Adassi, Bara, Anna Mansale. Ça, c'est Mansa de la Guinée qu'on a créé. C'est Mansa de la Guinée qu'on a créé. Celui qui veut voir Alpha Condé, tu vas voir Alpha Condé. Tu ne veux pas voir Alpha Condé, change la nationalité. Parce que nous, si ce n'est pas Alpha Condé, Araluna, Alpha va te coucher. Alpha Condé ou rien. Alpha Condé ou rien. Celui qui veut, tu ne veux pas. Dans les, ça ne vaut même pas la peine, tu demandes tes militants. Ça ne vaut pas la peine, tu demandes tes militants si tu n'as pas peur d'affronter Alpha Condé. Tu as peur d'affronter Alpha Condé parce que tu sais par A plus B, si tu l'affrontes, tu ne vas pas gagner. Tu vas à l'élection, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas à l'élection, tu ne vas pas gagner. Donc, il ne faut pas faire semblant parce que tu as peur pour dire maintenant, oui, c'est à cause de vous, je suis allé, je n'ai pas gagné. Tu veux les accuser aussi, avec tous les décès que tu as organisés en Guinée, avec tous ces morts que tu as organisés en Guinée, avec tous ces pagailles que tu as organisées en Guinée. Maintenant, tu veux faire semblant pour les mettre dans tes savons, les rouler là-dessus pour dire que oui, c'est vous-même qui m'ont poussé d'aller à l'élection. Parce que toi, en âme et en conscience, tu sais très bien si tu vas à l'élection, tu ne vas pas gagner. Dans les personnes ne veut de toi en Guinée, avec tous tes crimes que tu as faits, avec tous tes crimes que tu as commis, avec toutes tes menaces, tes manifestations, tout ça, c'est dans la mémoire des Guinéens. C'est dans la mémoire des Guinéens. Personne ne veut que tu sois à Sékou-Touré-A. Personne ne veut te recevoir à Sékou-Touré-A. Tu as investi au Sénégal. Tu as fait plein de trucs au Sénégal. Tu es Sénégalais à 100%. Tu es tout couleur. Sans Alpha Condé, la Guinée ne va jamais avancer. C'est Alpha Condé qui nous a montré que oui, il aime son pays. Il est de Basse-Côte, il est de Haute-Guinée. Ok? C'est Alpha Condé qui nous a montré ça. Mais vous, les demi-moutons malinqués là, arrêtez vos conneries, vos bêtises. Sinon, si moi je vais trouver un malinqué qui critique Alpha Condé sous sa page, je vais aller sous ta page, je vais prendre ta photo, je vais sortir contre toi, je vais te montrer par A plus B, toi tu es esclave malinqué. Tu es esclave malinqué, tu es mixé. Ça veut dire que tu es demi-peul, demi-malinqué. C'est pour cela que tu critiques Alpha Condé. C'est pour cela que tu critiques Alpha Condé. Tu es esclave. Je vois maintenant un demi-mouton malinqué qui sort contre Alpha Condé là-bas. Sur les réseaux sociaux. Ou on le billette, toi et ta photo là. Je vais afficher. Je vais montrer dans le monde entier que tu es un ingrat. Que tu es un esclave, demi-peul, demi-malinqué. Demi-peul, demi-malinqué. Parce que tu sais, tu vois les malinqués moutons comme ça là. Ça veut dire que si leur père n'est pas peul, leur maman est malinquée. Ou soit leur maman est malinquée, leur père est peul. Ou bien leur mère est peul, leur papa est malinqué. C'est comme ça les demi-moutons là. Les demi-moutons là. Les demi-moutons là, je vais aller sur vos pages,
Je vais aller sur vos pages là-bas. Je vais vérifier par A plus B. Partagez-moi ce vidéo, s'il vous plaît. Pour que les demi-moutons malinqués voient ça. Partagez-moi ce vidéo. Pour que les demi-malinqués voient ça, les demi-moutons là. Partagez au maximum. Je vais aller sur ta page. J'ai vu un clochard malinqué demi-mouton. Il est en train de dire, la Guinée c'est comme ça, Alpha Condé c'est comme ça. Si j'entends maintenant dans ta bouche, je vais rentrer dans ta page là-bas. Je vais prendre une de ta photo. Je vais t'afficher partout. Je vais t'insulter de père et de mère. Parce que toi, t'es demi-mouton malinqué. Mouton peul, mouton malinqué. Ça veut dire demi-mouton. Donc, vrai mouton, c'est vrai peul qui sont en train de manigancer des étrangers qui sont quittés en Éthiopie, en Égypte, pour venir détruire la Guinée, pour venir gâter la Guinée, pour venir mélanger nous les vrais Guinéens, nous les vrais combattants. Nous qui aimons la Guinée. Donc si je vois un faux cul malinqué là-bas, Wallahi billahi tallahi, toi mouton là, je vais te montrer. Toi demi-mouton là, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais rentrer dans ta page là-bas. Je vais prendre ta photo. Je vais niquer ta mère, insulter ton père. Je vais te montrer que ouais, nous les demi-moutons ne serons jamais en Guinée comme ça. Qui va jamais critiquer le président. Nous, le président, on connaît son importance. Le président Alpha Condé, il vaut. C'est quelqu'un de bien. Il a beaucoup fait pour la Guinée. Mais les moutons, ils ne reconnaissent jamais. Parce que pour eux, c'est tour-tour. Ce Lundala ne connaît même pas la politique. Il vous demande. C'est une foutaise, il vous a fait. C'est une honte, il vous a fait. Alpha Condé n'a demandé personne, soi-disant, est-ce que je vais aller à l'élection? Professeur Alpha Condé, mon papa, mon père, il a dit, j'ai acte. Les RPC et les RPG... Donnez-vous la main, montrez que oui, vous voulez que je parte à l'élection. Vous voulez que je me présente. Voilà. Alpha Condé réunit la famille. Et il réunit la Guinée. Il montre aux Guinéens que ouais, on est tous égaux, égales devant lui. Mais les apatrides là, les moutons réunis comme ça, ils viennent, ils veulent détruire la Guinée, ils veulent détruire le pays, ils veulent détruire entre nous, ils veulent faire rentrer la haine, racisme entre nous. Mais vous les demi-moutons malinqués là, si je vous vois maintenant critiquer Alpha Condé, ce qu'il vous a fait, ou bien celui qui vous a payé, vous allez me le dire. Parce que nous, les demi-moutons et les vrais moutons là, qui sont dans UFDG, vous ne pouvez pas gâter la Guinée. Et nous, on est là pour sauver la Guinée. Et nous, on est là, on est fiers du professeur Alpha Condé. Depuis le temps de Sékou Touré, le temps de Conté, le temps de Dadis, le temps de Sékouba Konaté, ce que le professeur Alpha Condé a fait. Aucun président a fait la Guinée comme ça. Aucun président, vous sortez, vous ouvrez vos gueules là-bas. Vous dites, il n'a rien fait. Il n'a pas fait quoi? Alpha Condé n'a pas fait quoi? Dites-le moi, il n'a pas fait quoi? Les moutons réunis comme ça. Les apatrides, les esclaves, comme vous êtes. Avec votre demi-dieu, Dalin, il ne connaît même pas la politique. Il ne sait rien faire dans la politique. Alpha Condé connaît la politique. Alpha Condé réunit la Guinée. Il conseille les Guinéens. Donnons-nous la main. Demain, Alpha n'est plus au pouvoir. Mais on serait fiers de lui. Parce qu'il nous montre par A plus B. La Guinée, c'est une famille. Reconnaissez ça pour lui. Il nous montre que la Guinée, c'est une famille. Il n'y a pas ethno chez nous. Mais les ethnos qui sont chez nous là, qui veulent détruire la Guinée là, qui veulent montrer que oui, nous les Guinéens, on est différents. Comme entre eux, si tu es noir, peul, tu es esclave. On t'appelle Mat Cubain. Si tu es noir, t'es noir comme moi là.
Moi, je n'ai pas de respect. Moi, je n'ai pas de respect. C'est pour cela que le jeune gay là, qui est où même, le jeune gay là, il dit qu'il regrette d'être, il regrette d'être peul. Il a dit qu'il regrette d'être peul. Oui, parce qu'on lui a rejeté. Il était esclave. On lui a rejeté. On lui a rejeté, on lui a montré par A plus B, il est esclave. Il est esclave. Comment tu peux tuer un mouton ou bien une chèvre? Tu donnes le pied, la tête, les quatre membres là, tu lui donnes ça, il mange ça parce qu'il a tué, il a égorgé. Il a égorgé le chèvre ou bien le mouton. La chèvre ou bien le mouton. Hein? Vous êtes des vrais moutons. C'est pour cela qu'on vous a surnommé comme ça. Parce que si vous tuez les moutons, quelqu'un qui tue les moutons, pour vous, il est esclave. Vous lui donnez le pied, les pattes, et vous lui donnez la tête. Il y a la viande dessus, parce qu'il est esclave. Il est esclave. Hein? Il a été colonisé par toi, bien par les Français. On a tous été colonisés par les Français. On a tous été colonisés par les Français. On n'a pas été colonisés entre nous. Entre nous, considérez-vous maintenant. Vous les peuples qui vous prennent comme esclaves là, ouvrez vos yeux maintenant. Montrez à eux maintenant. On a été colonisé par les Français. On n'a pas été colonisé entre ethnies, ethnies. C'est vraiment méchant. Nous, on veut vous aider. On veut vous faire ouvrir vos yeux. Pour que vous compreniez les gens qui se font prendre par Wali ou comme ça parce qu'ils sont des teintes claires. Ils sont des teintes claires. Et vous, vous avez teint noir. Quand vous partez, ils vous donnent un mouton, vous tuez là-bas, ils vous donnent les quatre pieds là. Ils vous donnent encore quoi? Hein? Pour qui vous vous prenez? Est-ce que l'esclavagisme, ce n'est pas les Français qui nous ont fait? On a été colonisés, on a été esclaves. Mais entre nous, on n'est pas esclaves. Entre nous, on est tous des patrons. Entre nous, on est tous des fils guinéens. Donc, ne montrez pas aux autres parce que ils ont le teint noir, ils ont la peau noire et que vous les considérez comme les esclaves. Comme des esclaves entre vous-même. Est-ce qu'il y a ça chez les Soussous? Est-ce qu'il y a ça chez les Malinkés? Est-ce qu'il y a ça chez les forestiers? Seulement chez les peuls. Chez les peuls. On n'a qu'à se dire la vérité. La vérité, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Vous avez été esclave dans votre propre ethnie. Dans votre propre ethnie. Prenez l'exemple sur les autres ethnies. Aucun Soussou n'a été esclave à part des Français qui nous ont colonisés. Qui nous ont colonisés, les Français. Tous les pays de l'Ouest, ils ont été colonisés par les Français. À part de ça, tu peux dire quoi maintenant? Que toi, ton propre frère ethnie te colonise. Tu pars là-bas, tu coupes, tu égorges le mouton, ou bien du bœuf, ou bien de la chèvre, et puis on te donne les pieds. Et que toi-même, tu peux rien dire devant la personne qui t'a colonisé comme ça, qui t'a pris comme esclave comme ça. Tu peux même pas oser. Tu peux même pas oser. Si c'est le baptême, ou bien tu veux une femme, ils disent que non, il n'est pas Roré. Il n'est pas Waliou. Ils te donnent jamais leur fille en main. Sauf entre vrai Waliou, vrai Waliou. Qui est Macubé en Guinée? Qui est Macubé en Guinée? Qui est Macudo en Guinée? Arrêtez vos conneries. Respectez vos frères. Montrez-eux pour votre amour. Envoyez-moi le cœur. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Envoyez-moi le cœur. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Les apatrides sont là. Vous avez vu? Les moutons sont là. Les moutons sont là. Envoyez-moi le cœur. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Envoyez-moi le cœur. Ces moutons-là, ils sont revenus encore. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité, ça vous pique. La vérité, ça vous fait mal. La vérité, ça vous touche. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Parce que c'est normal, on ne cache plus la vérité maintenant. Connaissez votre histoire. Connaissez votre histoire. Vous avez pris vos propres frères, vos propres sœurs comme des esclaves. Comme des esclaves. Vous les traitez de toutes sortes.
S'ils sont de teint noir, peau noire, vous ne les considérez pas. Vous ne les considérez pas. Les gens qui s'appellent comme ça, sale, ou bien Kuruma, ou bien Kamara, ou bien quoi, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Et pourquoi ça se passe en Guinée? Jusqu'à présent, ça se passe en Guinée. Si tu vas dans un baptême, ça se passe. Mariage, ça se passe. Logement même. Ils voient que ouais, toi, tu n'es pas Walou. Tu ne peux même pas loger chez eux. Tu ne peux même pas loger chez eux. Chez les Walou là. Toi, tu es macubé devant eux. Tu es esclave devant eux. Ils ne te donnent même pas une maison où tu vas rentrer. Même si c'est toi qui payes la maison là. Mais les peuples, vous êtes méchants. Hein? Les peuples, vous êtes méchants. On n'a qu'à se dire la vérité. Ethnie peuple, vous êtes des ingrats. Vous êtes des méchants, vraiment. Ethnie peuple, vous êtes méchants. Entre vous, parmi vous, vous êtes méchants. Entre vous-même, vos propres parents, vous faites de méchanceté avec eux. Vous les respectez pas. Vous les considérez pas. Vous les considérez pas. Entre vous-même, c'est la honte totale. Et tout, si tu vois que tout le monde qui supporte d'aller aujourd'hui comme UFDG, c'est des Walis d'une part. Ils ne veulent même pas un Macubé comme il le dit. Un esclave comme il le dit. Un esclave comme il le dit, il va rentrer dans leur groupe là. Si tu vois même que UFDG là, il n'y a que des Walis bâtards. Les Walis bâtards, soi-disant Walis bâtards là. Tout le monde est Walis chez nous. Si c'est comme ça. Mais les Walis bâtards là, comme UFDG. UFDG, les Walis bâtards, commencez par leur Dieu, demi-dieu bâtard là, comme Dalai. Ils se croient qu'il est Walis.